Bah, je reprends du coup. Et nous voici sur cette, eh bien, ce deuxième match de la journée entre Koi et les Team Liquid. Et je suis accompagnée de PM. Ouais, on est parti pour un remake du remake. Ces deux équipes se sont rencontrées. Alors, il y a peu de matchs pour un début de saison parce qu'il y a Koi début de saison. Et pourtant, ces deux équipes se sont déjà rencontrées en poule GSL. Il y a eu un match aller-retour. Liquid avait gagné 2-0. Et sur le match retour, ils ont été battus par Koi. Et oui, et il y a eu un 2-1. C'était un 2-1 un petit peu compliqué, avec une dernière carte, notamment sur Split, où on perd 10-13 pour les Team Liquid. Ça restait quand même contesté. On va pouvoir déjà voir le map veto. Et je vois déjà qu'il y a une Split à nouveau, mais qui est bien pique par les Koi. Après, on va pique Ascent pour les Team Liquid. Et ça va se finir sur Icebox. Icebox qui a été vu également par les deux équipes. Ouais, Split pour commencer. Elle avait déjà été jouée, cette carte, Alice, entre les deux équipes. Et ça a été serré. Ça a été un 13-10. Ouais. En faveur des Koi. Et déjà là, un sujet en fait, puisque évidemment les Koi la reprennent. Mais map serrée, c'était il y a quelques temps. Et puis d'une manière générale, un match aller-retour. Donc deux équipes qui, pour le moment, avec les informations qu'on a vues et les matchs qu'on a vus, ont un niveau sensiblement équivalent. Effectivement, et même sur leur premier match où il y avait eu 2-0, on avait eu une Icebox 13-10 oui, en faveur Liquid, et derrière un 13-11 sur Bind. Donc c'était un 2-0, mais pas non plus très sec. Non. Donc c'est un match-up qui est à chaque fois contesté, en tout cas du moins sur les deux premiers matchs qu'on a vus. Exactement. Alors on a vu les deux meneurs de jeu, qui sont deux anciens coéquipiers. Enzo était l'IGL de Shadow, qui est devenu l'IGL de Koi. Et Shadow a battu son ex-capitaine, qu'on voit à l'écran, le français Enzo, capitaine des Liquid, dans le match retour, le match qui comptait le plus évidemment, dans le format qu'on avait pour les kick-off. Alors on est parti sur Split et il n'y a pas de changement de composition chez les deux équipes. Non, on reste vraiment sur ce qu'on connaît. Alors c'est vrai que, je sais pas toi, moi j'aime bien quand même le bridge de Shadow sur Split qui apporte pas mal d'explosivité. Et en face, j'aime bien aussi le fait qu'on ait un petit cipher pour garder un setup, un BP en anchor. Donc c'est deux compos qui sont différentes mais qui apportent eh bien, un gameplay qui peut être intéressant et où ça peut bien se clash ici. Eh oui, flex initiateur, flex dueliste ou flex smoker. C'est évidemment les trois écoles qu'on constate le plus. Il n'y a pas de flex sentinelle en doublon pour le moment. C'est extrêmement rare. Et je ne vais pas te donner tort sur Shadow. Tobias, capitaine des Koi, je le mettais sur Bridge quand je l'avais chez Vitality à l'époque. Et avant ça, il était chez FPX. Ça sort les DOS. Et il jouait déjà beaucoup Bridge, donc voilà. Donc excellent joueur de Bridge, excellent joueur de ping-pong, ça n'a strictement aucun rapport avec ce match. Ok, il est bon, est-ce qu'il te bat ? Mais il me ravage, il ravageait toute l'équipe, il a fumé Zeich ping-pong. Okay. Il faut être très clair là sur la question, non pas que Zeich soit une référence au ping-pong, faut pas déconner. Mais je voulais juste rappeler, évidemment, une des défaites de Zeich, c'est absolument nécessaire. Tu sais que franchement, j'aimerais bien qu'on fasse du ping-pong un jour, parce que moi je suis pas trop deg dessus. Ah ouais, t'es un petit niveau. Ouais, parce que ancien champion du monde de tennis, donc d'accord, okay. Voilà, on aime bien avoir des raquettes. Bref, en tout cas, on est en train de. Ah mais je suis très très chaud au ping pong et après je me réveille ce matin, voilà. Ok. Non mais je vois bien. Et après, bon, on n'a pas parlé non plus de Keiko et de Camo. Alors Keiko, il nous a sorti, je me souviens, une Icebox où il avait fait 37 kills. Oui. Contre Koi d'ailleurs. Effectivement. Et pourtant ça avait été serré. C'était un beau match. En fait, Liquid a montré un visage avec un grand Keiko sur Icebox comme tu le cites, mais des Liquid qui n'ont pas montré le visage qu'on pourrait attendre d'eux. Une équipe qui devrait aller chercher le top 3 européen, pour le dire vite, et en tout cas peut-être marquer un écart avec Koi. Alors on parle de théorie puisque c'était avant que ça ne se lance et qu'on connaisse les line-up réellement, on les évalue sur le papier. Et les Liquid, évidemment, avec des joueurs comme Nat et Yampi, menés par Enzo qui a fait ses preuves avec Apex, on imaginait qu'ils mettent une longueur à l'adversaire. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Finalement, ouais, c'est vrai que pendant les kick-offs, on parlait des Team Liquid comme étant d'une équipe, un petit navi, des petits navis, et on n'a pas encore vu leur plein potentiel. En tout cas, on va partir vite sur cette carte de Split, la carte des Koi. Alors, contrôle de carte sur le middle. Ça ressemble à une 1-3-1 standard pour l'attaque de Koi.
Starxo qui est temporisé apparemment par un écran toxique. Est-ce qu'on va le traverser? On met la Recon, on tape à la porte. Il n'y a personne sur cette Recon. On prend tout de suite l'espace, c'est un bon réflexe. À la réception, au niveau de cette baie, venez, on a Nats qui va jouer au contact avec sa caméra. On va prendre l'information, la caméra va pouvoir spot ses joueurs. On joue bien du côté des Team Liquid, on a le setup et pour l'instant on est obligé d'attendre pour l'écueil. On va utiliser malgré tout la nade de camo. Ouais, alors ça met de l'utilitaire mais ça prend de l'espace, ça fait glisser un peu la défense qui hésite. On voit la mini-carte de la défense qui hésite entre le B et le A, elle revient en A. On a eu effectivement plus qu'une infiltration, un Keiko dans les lignes adverses et ça... C'est probablement le moment clé. Est-ce que Shadow va le voir? Oui, alors il le voit, mais là, clairement, je pense qu'il était en train de communiquer avec ses coéquipiers. Il n'était pas prêt, et là, il y a un gros danger. Rubino, non plus, il n'est pas prêt. Et derrière, eh bien voilà, on a ces trois joueurs de chez Koi qui sont obligés d'aller sur B. On va partir sur ce site, mais là, ça va être très compliqué. On a un 3v5, on va pouvoir planter le spike, mais on va devoir prendre le CT. Il faut prendre de l'espace pour ces joueurs de Koi. Ouais, il faut de l'espace, il faut une compensation. Le problème, c'est que c'est un petit peu téléphoné. Ce 3v5 avec amorçage, on peut se douter quand on va aller chercher. Yampi, il a l'XP pour tenir. Évidemment, il a le talent aussi individuel pour tenir. Le perfect est refusé par Starxo, mais c'est un baroud d'honneur. Évidemment, Liquid s'impose. Très bon pistol round de la part des Team Liquid. Avec un premier temps de jeu où voilà, on fait claquer un petit peu du stuff de la part des deux équipes. Mais on prend de l'espace pour les Team Liquid, hein, Keiko qui arrive à prendre ses water et qui fait son premier kill. Bon premier pistol pour ouais. cette équipe. Belle domination sur un Keiko entreprenant et puis effectivement les bons timings, mais c'est pas des timings hasardeux. Ils sont lus, Koi, dans cette finition en speed B. Et donc là, ils vont devoir mesurer leur contrôle de carte. Eux ont choisi une Viper et pas de Cypher, donc le double initiateur. Évidemment, on peut perdre l'espace sans Sentinels, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de le contrôler. Clairement, et en plus de ça, on peut prendre les informations avec Enzo right qui peut flash au niveau de ce main. Alors là, pour l'instant, les Koi vont se diriger essentiellement au niveau du A-main. À la réception, on aura Enzo, cet IGL de la formation des Team Liquid qui prendra l'information et repère ses joueurs au niveau de la rampe. Ouais, ok. C'est un petit travail de zone. On pourrait gober un orb aussi sur Starxo qui est en excédent de points d'ultimate. Prise d'information d'Enzo. C'est pas vraiment un doc très utile. Il les repère, il en se tenait un, mais voilà. C'est juste pour prendre la température et ce sera pas forcément quelque chose que les Liquid pourront vraiment utiliser. Ils vont colmater, temporiser. Oui, pour l'instant, on est obligé de respecter ce stuff placé par les Team Liquid. On tend des travers du côté de Yampi. On utilise pas mal de stuff. Il reste une minute malgré tout. Et on a utilisé pas mal d'utilitaires. Mais on peut cycler ces smokes. Mmh. Écran, mollo, filigène, la Recon et le passage conduit qui est entendu, compris, repéré. Les rotations peut-être. On ne sait pas trop où ils vont finir. Keiko à la réception. C'est difficile, mais il a l'élimination. Et oui, on sait que ça peut être compliqué contre un outlaw quand on a des petits quand on n'a pas de shield du tout hein, d'ailleurs parce que les Koi sont en écho sèche. On a déjà perdu un joueur, on va essayer de prendre une élimination du côté de Grubigno mais ça n'arrivera pas. Ouais, ça va être difficile. Est-ce qu'on peut voler l'amorçage? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité in extremis. Amorçage et moins un. Bon, c'est un compromis pour les deux camps. Clairement, bon, on prend une élimination malgré tout pour Shadow, Snats qui va perdre son arme, mais ça reste une anti-écho convaincante pour les Team Liquid, 2-0. Oui. 300 crédits en plus par joueur pour l'amorçage réalisé par Koi. Après, c'est toujours plus intéressant de faire des dégâts sur l'économie adverse, comme ça le bonus il est plus léger, il est plus difficile, voire même il se transforme presque en écho. On voit deux spectres. Une gardienne, Nats qui sera tenté de réinvestir peut-être sur davantage qu'un ghost, apparemment pas. Et puis, évidemment, les Koi en armée. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur ce bonus pour les Koi? Est-ce qu'on va partir vite? J'ai pas l'impression que ce soit le cas, sachant qu'on a un contrôle de Shadows au niveau de ce main. On va aller investir ce mid pour le moment, faire un petit contrôle de cartes. Liquid a une apparemment sur le B-main. En réaction, sur timing, il y a One Way, Boombot. Je crois que Enzo est sur le point de flasher. Prise middle, Yampi temporise. Bull, Molotov, spam. Et ses coéquipiers ont fait mine de prendre le mid main, mais ne l'ont pas vraiment pris. Ils reviennent sur le middle en essuie-glace. La défense est un peu partout. Et oui, on va peut-être essayer de reprendre d'ailleurs ce mid avec la flash de Enzo. Ça va partir. On va utiliser la nade. On fera une première élimination pour Camo. On va devoir repartir pour les Team Liquid.
Ouais, ils forcent, hein. Ils sont évidemment en train d'essayer de surcompenser ce sous-équipement. Un essuie-glace hyper agressif middle qui leur coûte un joueur, une direction de jeu de Koi tout de suite lancée sur un A, plutôt joué en reprise du bout des doigts par Nats. Oui, Nats qui n'a qu'un ghost et il sera à la réception, ça va être compliqué de faire une élimination, mais on a malgré tout Kamo qui était low, mais qui va pouvoir se propulser sur ce site avec ses satchels, et on va jouer cette retake en 4v5. Shadow qui va pouvoir planter le spike. Ouais. Alors, est-ce que le plus dur est vraiment fait? Ils ont pas des positions très originales, ils ont la puissance de feu, ils ont l'amorçage, ils sont le 5v4. Mais la reprise pourrait se faire. L'utilité reste très limitée, il n'y a pas de paranoïa, il n'y a pas de grenade gigogne. On va tenter de reprendre la rampe, mais à la réception, on a ce joueur qui joue au niveau de ce A-Main et qui pourrait faire la différence. Dans tous les cas, c'est un bonus, on le rappelle, pour ces joueurs de Team Liquid. On veut faire perdre des armes, mais ça risque d'être très compliqué. Malgré tout, voilà, je jinx encore une fois Keiko qui peut prendre l'élimination face à Starkso, qu'il se fera refrag. C'est un 3v4 maintenant. Ah, ce qu'on veut, c'est des dégâts. Hein. C'est assez clair que Liquid joue pas vraiment le round ici. Des dégâts, on en fournit, on élabore quelques ici réponses. Ça va faire moins 3 et moins 4. In fine, c'est surprenant. On perd beaucoup d'armes, oui. Et Kamo qui garde sa fantôme n'a que 3 HP. Donc c'est un bonus très convaincant pour les teams Liquid qui font perdre 4 armes et le shield de Kamo. Alors on plante le spike, donc on peut se permettre de racheter pour les Koi. Mais ça reste un bon bonus pour les Team Liquid. Ouais, c'est honorable. Effectivement, les dégâts sont là. Mais ils n'ont pas été vraiment dangereux. Et puis on les a sentis peut-être un petit peu forceurs sur leur move middle. Bon, passons. Maintenant, on est dans les choses sérieuses. C'est à peu près équilibré d'un point de vue équipement et puissance de feu. Le plan de jeu est assez clair sur le A. Il y a une paranoïa réaction sur contact de Cypher. Le B, on bricole pour la défense. Et l'attaque de Koi est lente, précautionneuse. Elle prend la température mollement, notamment sur le middle, avec vraiment un jeu standard de 1-3-1, qui est assez cher à Shadow visiblement. Il aime bien les defaults. Un groupe d'attaques de double initiateur et de duelistes, avec sur les extrémités, abusivement, une Viper Sentinelle et puis le Smoker Omen. Alors effectivement, Keiko a un super timing. Keiko qui a un timing, il pourra repérer ce joueur Grubigno au niveau du spawn, mais on n'arrivera pas à faire l'élimination. On pourra malgré tout récupérer l'orbe. Il y a un fil de détente dans le vent, juste derrière les joueurs. Ah, il pourrait paranoïa Ven sur le fil, je sais pas si c'est une grande idée. Ils sont entendus, ces joueurs de Koi au niveau de la Vent. Et derrière, Nats va pouvoir se replacer. Rampe, il sera aidé de la smoke. Il est repéré par la reveal de Fade. Au contact, est-ce qu'il peut faire la différence ici? On va se propulser, mais c'est Kamo ici qui s'impose et qui fait son double kill derrière Yampi pour peut-être faire la différence, mais ça n'arrivera pas. Voilà, c'était la rotation interceptée de trop, Kamo en triplé. Le kill sur Keiko semble rédhibitoire. Il n'en reste qu'un, il est français. Enzo, capitaine des Liquid, lâche déjà l'affaire. Il sait la situation inextricable et le round perdu d'avance. Il ne jouera pas à la reprise. Et les Liquid s'écroulent. Alors on l'a vu vraiment directement. Nats arrose un mur sur effectivement une mobilité. Ouais. Il avait une torpille. Il avait des ailes ici, Kamo. Bon, Malgré l'écran hein, de Viper qui pouvait l'aider, parce que quand tu le traverses, eh bien voilà, t'es vulnérable. Il suffisait juste de quelques balles hein, pour faire cette élimination. Il n'en fera rien. Et derrière, on égalise déjà pour les Koi qui font un début de carte sur Split. Pas trop mal. On fait un travail de carte assez lent. Et pour l'instant, c'est bien en leur faveur. Après, les Team Liquid sont quand même proactifs sur la carte. Ils tentent des choses. Ok. Alors, un peu de doute. Hein. On a des Liquid qui sont un peu menés par le bout du menton. Le pistol était vraiment une domination de leur part. Mais on pourrait presque dire, le pistol, c'est un autre Valorant, c'est un autre jeu. Oui. Et ensuite, on rentre sur le jeu qu'on connaît le plus souvent, évidemment, parce qu'il y a plus de runes, on a vrai, mais c'est comme ça. Et donc là, ok, pistol contre Echo, mais le bonus, pas très dangereux, même s'il a fait quelques dégâts. Et ici, ils sont dominés. Est-ce qu'ils sont dominés parce qu'il y a un raté individuel? On pourrait dire oui. Donc on va refaire un petit achat. Et on va maintenant estimer le niveau individuel de Nat, si c'était juste une anecdote, et de ses coéquipiers. Est-ce que déjà là, avec potentiellement ultimate de Keiko, qui est en moins 1, voilà, elle apparaît enfin. Et évidemment, Yampi, on a des ingrédients pour faire dégénérer le round. Enzo a toujours son arme. Effectivement, et on va essayer d'aller chercher ce mid à l'image des rounds précédents. On a placé cette smoke.
pour contrer cette agression, l'agression qui est faite par les Team Liquid. On prend quelques dégâts du côté de Nats. Et on respecte le jeu des Team Liquid du côté de Koï. On fait toujours ce travail de carte assez reculé. Ouais, ça prend du temps, on reconnaît la patte Shadow qui devient pour la première fois de sa carrière IGL, meneur de jeu. Il aime bien avoir ce jeu standard de prise de zone, prendre son temps, déguster. Le truc c'est que voilà, sur le contre-écho, ok il a le 5v4, mais ça peut dégénérer. Il y a ulti Yampi, il y a le bouquet final de Keiko. Plus on traîne et plus on pourrait voir ce qui s'est passé tout à l'heure, ça pourrait déjouer. Les Koï pourraient dans la précipitation s'engouffrer sur un surnombre et sur une roquette. Et c'est le cas, il y a surnombre en A. Il reste 25 secondes et effectivement on fait le mauvais pari ici. Mais est-ce que ça va être en l'avantage des Team Liquid? Pour l'instant non, parce que Camo peut faire son double kill ici. Peut-être le triplé, non, il se fera refrag par Keiko. On va pouvoir planter le spike du côté de Shadow. On a toujours Keiko sur site. Il tombera des mains de Starkso et on prend l'avantage pour les Koï. On joue avec le feu. On va sur un site, il y a 3 joueurs, il y a un bouquet final. Si le premier contact est long, hasardeux, perdu, on aurait pu voir les Koï glisser. Alors ça ressemble à un round parfaitement maîtrisé dans le résultat, mais attention aux détails, attention au rythme. Round d'armée pour Liquid. Les ultimates dont on parlait, réciproquement Camo a son bouquet final. Il y a aussi la nuit tombante de Starkso avec sa fade. On n'est pas loin de Shadows pour ultimate, Shadow en moins 1. Ça pourrait devenir assez chargé, on pourrait avoir un round très valorantien. Très valorantien, je pense que c'est les bons termes. Et d'ailleurs on parle d'ultimate. On va avoir Yampi hein, qui va prendre cet espace au niveau du mid, mais il joue dans son ult très agressivement. Il se fait récupérer par Starkso. Et oui, le spam, le peloton d'exécution sur une Viper qui commence de plus en plus à apparaître. Et il tombe dans le panneau Yampi, pourtant un joueur expérimenté. Il y a encore un fil de détente qui sert de thermomètre pour savoir si ça chauffe middle, une réaction, on n'attend pas. Liquid prend le B-main contre ce middle, contre ce vent, contre ce fil de détente qui est déjà cassé. Ils ont cet appui en B et ils vont pouvoir dire au A d'en faire de même, en tout cas de trouver une solution tactique plus valable. Il faut compenser cette situation des avantages numériques, mais sous trempe au fer. Si vous en faites trop, vous êtes attendu. Les Koï attendent la compensation et justement le contrôle map. Ah bah Grumino, c'était déjà vu, il fait timing encore une fois. À nouveau, le timing, est-ce que ça peut être à l'avantage des teams Liquid? Il va respecter le pré-shot de Nats et repartir. Et on va bien repartir au niveau de la vente. Et cette fois, c'est le bon pari pour les Koï. Parce qu'il n'y a que Keiko à la réception. Attention, mais il y a vraiment un travail de carte compliqué ici. Grubigno hein, qui peut en faire un. Refrag par Nats. Derrière Shadows dans le flanc également. Nats qui peut utiliser son ult. Il se fait complètement stun ici au niveau de ce market. Et il se fera récupérer par Shadow. Ouais, Shadow qui fait une élimination clé, l'explosion par-dessus, Misty qui tente le tout pour le tout. Pris entre le marteau et l'enclume, l'amorçage. Encore une fois en fin de round, encore une fois un peu sur le fil, mais là vraiment tout de même bien maîtrisé par les Koï qui ne panique pas. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de raté, c'est nickel. C'est un 4-2. On donne même le spike à Shadows pour qu'il puisse planter et récupérer son ult pour le prochain round. On a Keiko tout seul. Avec son ult d'ailleurs, on a utilisé l'ult de Camo, donc c'est une roquette qu'on ne retrouvera pas avant quelques rounds. Il voulait vraiment aller chercher ce quatrième. Mais pour l'instant, on ne se fait pas peur pour les Koï. Non, en effet. Et ça part aussi hein, de cette ult de Viper qui est envoyée par Yampi au niveau du mid. Ça me rappelle un petit peu ce qu'il faisait sur les derniers matchs sur Split, où parfois il joue un petit peu agressivement et en général ça ne va pas en sa faveur. Ouais, Yampi c'est un artiste, c'est un facteur X. Ah, oui. Alors c'est peut-être pas le meilleur round pour donner cet exemple là, il est quand même capable de dinguerie. Là c'est il met l'ulti, il se fait spammer. Mais historiquement Yampi c'est un artiste qui va jouer sur le fil, beaucoup l'année dernière, moins maintenant, et beaucoup aussi il y a 2 ans. Et aussi un joueur assez versatile et polyvalent, il va beaucoup changer de rôle, initiateur, smoker, pseudo-sentinelle avec ici une Viper, voire même dueliste. Il a tout fait et depuis longtemps. C'est un historique de Liquid, il est là depuis 2021, depuis février 2021. Avec Nats d'ailleurs, hein, c'est les deux joueurs qui... Alors Nats il a fait d'autres Nats... écoles. Ouais. Il a... c'est les deux c'est joueurs de la vieille, qui, oui. qui restent quand même de chez Liquid. Au top. Au top, oui. Voilà, voilà, on prend des risques ici, il y a du monde à la réception, on prend l'orbe, on vole l'orbe et le sniper est derrière. Ok, et un dog pour aller plus loin, pour qu'il ouvre la ligne avec ce sniper, il a un client et il trouve Shadow négligent, tout simplement négligent et naïf. Il me semble qu'on ne savait pas hein, que Keiko avait l'opérateur parce qu'on n'avait pas encore vu sur la carte, effectivement naïf sur cette position.
de la raise avec ce sniper et on est déjà en désavantage numérique. On arrive quand même à prendre l'entrée du côté des Team Liquid, chose dont on avait bien besoin. Prise dans le faux avec un oiseau, c'est vrai, une perruche a été sacrifiée, un fumigène est placé, la finition pourrait traverser ce fumigène. Kaimo qui sort son arme et la met d'un seul coup en rentrant dedans. Recon, paranoïa, sortie et ouverture de Kaimo, autoritaire. J'en vois un autre qui est autoritaire et qui prend des risques. Il est croqué, il est aveuglé, mais Keiko est là avec un bouquet final, il va peut-être tirer à l'aveugle. Il est éliminé par une grenade gigante, il n'avait pas compris dans la confusion qu'il était menacé ainsi. Et le pose plant avec l'ultimate Viper devrait écrire le rune en faveur de Koi. On arrive à planter à 30 secondes de la fin, Nats qui se dirige au niveau de l'Even, accompagné de Mystique peut-être pour faire la différence. On n'a pas de flanqueur, on a ces trois joueurs qui arrivent avec Yampi également au niveau de société. On tente des pré-shots sur cette ult de Viper mais pour l'instant on ne trouve pas de client. Et le spike tick de plus en plus. Faut lâcher. Il spam, il provoque la chance et le hasard, mais faut-il vraiment s'engouffrer dans une reprise ? Perdu d'avance, la réponse est donnée, c'est non. Mystique, un décal de trop, ça aurait pu lui coûter la vie. On va sauvegarder ce précieux équipement. Ils ont récupéré le sniper tout de même, ça c'est une bonne opération. Même si c'est un 3v4, hein, on est obligé d'aller concéder ce round. Comme tu l'as dit, le sniper est une arme très intéressante à garder pour la suite. Et c'est dommage parce qu'on prend l'entrée derrière, on n'arrive pas à capitaliser dessus. On s'envole au niveau du score pour les Koi. Après, on utilise beaucoup de ressources. C'est des ressources, c'est vrai, mais elles donnent un round d'armée, un cinquième point d'affilée, gagné plutôt largement, et une maîtrise malgré finalement l'ouverture au sniper, malgré un premier temps Liquid validé, un avantage numérique, les Liquid, une fois que le jeu Koi se déploie, ils sont franchement déménagés, et le staff évidemment des Koi en est ravi, Barbare a le sourire, changement d'ambiance par rapport à l'année dernière. Effectivement, et là forcément, hein, un petit time-out de la part des Team Liquid. Après, il y a 2-5. Ils nous ont montré pas mal de résilience hein, sur les matchs des kick-offs où des fois, ils sont capables de comeback. D'ailleurs, les deux équipes l'ont fait. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent, sachant quand même que Split, c'est une carte qui est plus defense-sided. On aimerait bien mettre au moins 5 défenses. 2, c'est clairement pas assez. Non, et en mettant le pistol et avec ce contre-écho, on imagine que les Liquid peuvent lancer une guerre économique, en tout cas un rapport de force plus équilibré. Ils sont nettement dominés, presque de plus en plus. Et il n'y a pas vraiment de clutch. C'est des Koi qui gagnent plutôt largement le round. Pire encore ici, ils sont en 4v5 dès le début. Ils perdent leur bridge et en fait s'installent aisément, dominent de A à Z dans une exécution, un forcing sur le B. Alors une pause tactique et on repart dans un achat de Team Liquid qui a conservé le sniper, ils l'ont filé à Keiko et ils font les fonds de tiroir pour s'équiper. Effectivement, Enzo n'aura que la Bulldog pour aller chercher ce round. On a un contrôle cette fois, mais ça va partir en B, hein, ça va partir très vite. Les Team Liquid à la réception, il n'y aura que Mystique qui va repartir. Ouais, Kaimo qui a pris l'espace, il a encore sa grenade gigogne, il continue. Il pourrait aller chercher sur l'ultimate de Bridge, il pourrait aller plus loin sur l'ultimate de Shadow. Anti-rush sur les choux-fleurs, il répond aux choux-fleurs par la grenade, il lâche l'affaire car il est repéré. Et il pourrait y avoir un deuxième temps que fait Bridge. Est-ce qu'il le joue pour le spike? Est-ce qu'on projette Kaimo? Sachant que Kaimo a un contact ici au niveau de société très intéressant. Il est aidé de la smoke de Viper, Shadow qui va pouvoir aider ses teammates. Kaimo qui va prendre l'espace au niveau de société, Grubigno également pour faire son double kill. On utilisera malgré tout l'ult de Shadow Mystique pour faire une élimination sur Kaimo, mais ça n'a pas d'importance. C'est un autre round qu'on va perdre pour les Team Liquid. Alors peut-être hein, l'ult ici de Shadow un peu overkill, sachant qu'on avait fait deux éliminations, mais on assure le round. Oui, je suis d'accord, on va chasser derrière l'une des dernières armes, Mystique tombe, il reste ce sniper, c'est crucial, il est repéré. Et il va peut-être, non, il va pas s'échapper, Grubigno est déjà là. Écoute, Shadow, il met le stun dans le vide, il met même l'ultime dans le vide, et tu veux bien le signaler, mais faut dire que lui, comme nous, ne sous-estimons pas les Liquid. Mais en fait, ses coéquipiers font préalablement 2 kills, dans un timing assez inespéré, je dirais même trop facilement. Alors lui, il disait, ça va être difficile, il faut aider. Et donc il envoie son ult presque au moment où finalement les éliminations sont faites. Exactement. C'est un spam de Grubigno un peu chanceux, mais sur un timing opportun. C'est un duel purement de, évidemment, Kaimo qui joue très haut.
Là, il y a un surclassement. Il y a un surclassement tactique, collectif, individuel. Les Liquid ne voient pas le jour. Il n'y a pas de compartiment jeu qui leur réussisse, si ce n'est le pistol. Et là, on s'envole clairement au niveau du score et économiquement parlant également. Les Koi, après la rotation des ults, arrivera un peu plus tard. Mais pour l'instant, 6-2. On mène largement les Team Liquid ici. On va refaire un travail de carte au niveau de ce mid avec Shadows qui contrôle soit main. Toujours Grubigno dans le B. Est-ce qu'on va retenter une agression au niveau du mid? Ça a l'air d'être le cas pour les Team Liquid. Ouais, alors on tape à la porte pour Koi, gentiment. On attend la reprise. Fumigène one way. Ils sont pas loin de provoquer exactement ce dont ils rêvent. Avec une petite présence middle. Donc pas mille stuff. Et Liquid reste lucide. Ils se sont contentés du fumigène one way. Ça joue finement de deux côtés. Peut-être que j'ai raté le paranoïa éventuellement. Et ils vont reprendre le middle. Les Koi là sont dans le coup. Alors faut pas trop traîner, 40 secondes contre Echo, c'est toujours la même histoire. Attention à ce que ça ne dégénère pas, mais il n'y a pas de bouquet final cette fois-ci. En face. Et là on repart du côté des Team Liquid, on va aller renforcer ce A, mais c'est pas du tout le A qui va être joué par les Koi. Est-ce que Nats peut l'entendre? Est-ce qu'il va pouvoir donner l'information? Non, pas du tout. On repart. Et c'est bien ce B, ce site B qui va être investi par les joueurs. On va pouvoir planter gratuitement. C'est une situation de 5v5 et retake pour les Team Liquid. On est clairement en désavantage. Que des classiques et des shérifs pour se battre. Et là même, je dirais, aller chercher des armes, ça n'aura pas d'importance parce qu'on a tellement d'aisance économique du côté des Koi. Ouais, il y a un jeu de dupes sur les ultimates. C'est-à-dire qu'on voudrait monter le sien, les siens, et puis en même temps, ce faisant, on peut tout à fait donner des points d'ultimate à l'adversaire. Ce qui est plus probable, ils sont mieux équipés et en position d'attente. Attention à Viper, surtout en fait à Camo, à Shadow qui pourraient se rapprocher des ultimates pour une fin de manche. Alors il y a un joueur isolé ici, la Viper. Isolé, c'est vite dit. Rubino fait la viande, c'est pas mal, mais c'est deux points d'ultimate pour Raze d'un côté, pour Viper de l'autre. On va charger, on veut des kills, on force un peu la chose et c'est plutôt à l'avantage des Koi qui, tu l'avais dit, avaient les finances pour et obtiennent des points d'ult, je dirais, sur Camo et ça c'est prioritaire. Là, on fait tomber 4 armes, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On regarde, on a 6009, 8005 du côté de Shadow. On pourra racheter sur cette fin de carte dans tous les cas. Et comme tu le disais, hein, Camo et Shadow qui ont pu récupérer quelques kills des hommes qui vont être importantes sur la suite de ce side. Et Keiko qui a pu également faire des éliminations. Il n'a plus que 2 orbes à aller chercher pour sa requête. Qu'est-ce qu'on va faire pour les Team Liquid? Toujours contrôle du B avec Mystic hein, qui va envoyer sa one way. Et cette fois, on va essayer d'aller chercher le A pour les Koi. Ah ouais? Le A? Le A défendu par un Cypher, par une Sky en réaction, par une Viper qui peut opérer une rotation rapide. Est-ce qu'on va vraiment y aller si vite? Est-ce que Shadow en a marre du contrôle de carte et des allers-retours d'une zone neutre à une autre? Est-ce qu'il veut changer le rythme? Alors, le changement de rythme pour Shadow, c'est pas un rush dès le début du round, mais c'est un rush un peu après. Patiemment, avec beaucoup de précautions, on envoie des deux points, c'est timide encore, c'est que ça pour la race, le pot de fleurs, Rubino l'ouverture, et Nats qui doit faire la différence, et Nats qui doit faire un kill, oh il est sur du parquet, Keiko le one tap est superbe. Keiko qui peut envoyer sa nade, est-ce qu'il est lu ce joueur au contact? Il n'était pas lu, mais c'est malgré tout Nats qui s'impose sur son fight, 3v4 en l'avantage des Team Liquid, on a toujours un Mystic au contact, on a deux joueurs de Koi sur ce CT, est-ce qu'on peut aller chercher ce site A, le spike, est déposé dans le A main. Mm-hmm. Un TP pour Grubino, il est repris à ce moment-là, il est gêné, il est en 1 pour 1. La vengeance de Shadows, des Koi qui peuvent relancer le jeu. Alors le problème, c'est que le spike, on imaginait pouvoir le subtiliser avec l'ulti domaine. Et là, ils doivent le récupérer avec leurs petites pattes. Ils doivent se rapprocher au contact et Nasu, il est malin, il est dans le coup. Il anticipe les mouvements, il prend son compatriote par surprise et ancien coéquipier d'ailleurs, Yampi a le contre-temps également sur Shadow, l'expérience enfin s'exprime. Et oui, on a fait une prise rapide hein, de ce A main, mais derrière on s'est un petit peu empalé dans le A et finalement c'était bien l'avantage des Team Liquid, derrière on sait plus trop quoi faire. Comme tu l'as dit, dommage de ne pas avoir récupéré le spike avec Rubigno. Et derrière, eh bien, ce plan de jeu n'était pas en l'avantage des Koi. Non. Je suis un petit peu surprise de voir un, entre guillemets, un fast A sans ult conséquent. Ouais, ou sans explosivité vraiment convaincante. C'est timide, Shadow, de toute façon, va revenir sur son jeu-là probablement.
Voilà, donc l'accélération selon Coy, ça leur fait défaut. C'est le troisième point qu'ils perdent. C'est le premier round d'armée qu'ils perdent en fait. Autant revenir sur les poncifs. Ah, peut-être pas, ils se regroupent à 5, à une 25. Enzo envoie un chien. Juste derrière, Keiko prend la ligne. On ne voit pas un seul utilitaire, un d'initiateur pour rien. Il faut prendre l'espace ou assassiner un adversaire. Et voilà l'espace qui est pris par Keiko, ligne profonde au sniper. Et derrière, pour leur envoyer le bon stun, on est obligé de repartir du côté de Keiko. Il va envoyer la nade pour attendre ses teammates. Grubinho qui va pouvoir s'imposer. Grubinho qui fait le double kill. Il s'était TP au niveau de ce CT. Derrière, Yampi qui fait son triple kill. Il ne fera pas le dernier. On a Grubinho tout seul en 1v2. Il le fallait. Il fallait une différence individuelle. On a vu Nats et Yampi sur un clutch maîtriser le sujet. Enfin, un triplé de la part de Yampi. Le double décal à la fin pour assurer le point. Et Liquid qui montre un peu leurs atouts. Yampi et Nats, c'est des joueurs de classe S. C'est des joueurs très expérimentés. C'est bien pour colmater des rounds. Maintenant, il faut que collectivement, on soit plus convaincant aussi. On s'est fait quand même très peur. Ah oui, sans oui, l'individualité oui. Ici de Yampi, je pense qu'on pouvait dire au revoir à ce round. Keiko... pour l'instant, n'arrive pas à trouver les entries avec son opérateur malgré un round où il l'a fait. C'est vrai que pour l'instant, on met des rounds pour les Team Liquid, mais c'est à chaque fois dans la douleur. Ouais, c'est difficile. C'est aussi un rattrapage individuel pour ce round, effectivement. Alors, le dernier point de la manche. 12e point, Keiko, qui peut rester en place. On lui a détruit la recon par le mail. Une bonne pression de Shadows, qui est pourtant seul sur le A. Il a fait sauter la cam et on retrouve le jeu de Coy. Long, 1-3-1, prise de zone neutre, feinte de prise de zone pour reprise adversaire et ainsi de suite. Après, c'est le dernier round de ce side. On peut aller chercher l'ult potentiellement de Camo. Shadow a le spike. S'il plante et qu'il récupère un orbe également, il aura son ult. Oh. Et Camo qui fait son entrée sur Keiko et qui récupère sa roquette. Là, tu fais bien de le signaler, hein. C'est la roquette avec ce kill, une ouverture sur un sniper, Yampi qui a repéré, Yampi, en point, c'est inespéré, c'est Mystique qui fait la viande, la vengeance de Shadow. C'est vraiment un artiste, Yampi, hein. Mais bon, c'est que 2v4, c'est une belle peinture de sa part avec un shorty, il sait improviser une œuvre d'art, mais ça suffit même pas. Ça suffit pas du tout, sachant que Keiko, ce joueur de race qui est capable d'individualité assez impressionnante ici pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous. On va envoyer l'ult de Bridge pour prendre ce site, mais dans tous les cas, Nats n'était pas là. Il va tenter une fast retake, mais ça n'arrivera pas. On était bien en 4v1. Et on met le 8e round pour les Coy. C'est vraiment inquiétant. Hein. Liquid qui ne montre pas un bon visage. Effectivement, quelques caches-misères d'un Yampi, peut-être aussi d'un Nats, mais trop rarement, beaucoup trop rarement. Ils mettent le pistolet, il faut l'avoir en tête. Cela dit, le pistolet était très convaincant. Oui, après, bon, voilà, on met un deuxième round, mais c'était attendu, sachant qu'on achète des armes, en face, il n'y en avait pas. Et derrière, comme tu l'as dit, on enchaîne les rounds oui. Pour les Coy, et c'était à chaque fois, c'était pas des clutches, c'était vraiment des rounds très homogènes où on joue en team et on arrive à prendre des positions, on arrive à se refrag. Et les Team Liquid ne trouvent pas de solution. Ce qui est d'autant plus inquiétant que les Coy montrent un talon d'Achille, c'est un jeu lent. C'est-à-dire que quand ils sortent de la 1-3-1 et ils essayent d'accélérer, franchement, c'est pas ouf. Sauf le TP dans le dos de main une fois. Ouais. Donc même avec une faiblesse qui semble apparente, les Liquid sont nettement menés. Et là, on voit déjà le deuxième Gun Round pour l'instant, en la faveur des Team Liquid. Enzo qui peut faire son premier kill ici. Et derrière, sur l'autre côté de la carte, Grubinho qui va tomber. On va agresser également dans ce A-Main. Shadow qui pourra récupérer Keiko. C'est un 3v3. On va pouvoir planter du côté de Mystique. Inventaire, il n'y a plus de stun. En tout cas, il est en cooldown. La grenade a disparu. Il reste un boombot. Et surtout, il y a Enzo. Ça, c'est pas un stuff. Ça, c'est un joueur. Ça, c'est un capitaine qu'on pourrait appâter. Oh oui, Enzo! Le doublé! J'ai cru que Nats allait tirer en premier, mais même pas. Enzo fait le ménage. Les deux pistoles pour Liquid. Et donc là, il faut capitaliser, contrairement au premier, il faut mettre des runes derrière. Bon, dans tous les cas, a priori, on irait chercher ce second round de ce side. Et comme tu l'as dit, faut pas eh bien, s'affaler sur la suite de la carte, parce que c'est ce qu'ils ont fait oui. Sur leur side défense. Là, on a quand même 3 bulldogs, on peut même aller chercher le bonus si on joue bien. Ah, il y a un bonus à aller chercher parce que le score l'impose, hein. On était mené 8-4, 8-5. Déjà le contre-écho, une chose en son temps, pas le charru avant les bœufs. Contre-écho, un petit peu dangereux, tout de même on a des ambitions ici, Coy. Hein. On va prendre un espace rapidement, on va gober un orbe, mais c'est tenu. Les liquides sont rigoureux, ils tiennent, ils se regroupent et vont décaler même sur un dog. Camo doit reculer, il détruit le dog, mais voilà l'espace qui est pris.
Alors à la réception, au niveau de ce B, on a quand même 3 joueurs, mais on est bien sûr hein, sous-armé. On va envoyer le Boomba de Rez, mais on n'en fera rien pour le moment. On repart le Spike qui va aller au niveau du mid, le mid qui était contrôlé par Mystic. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tenter un split B, sachant que Nats reste toujours au niveau du garage, accompagné d'Yampi? C'est toujours pareil, hein. Ça a beaucoup d'équipes qui jouent lentement contre l'Echo. Alors c'est le premier contre Echo, donc il n'y a évidemment pas d'ultimate. Faut pas trop traîner, sinon on se retrouve un peu pris de court sur des timings, sur des instant retakes, sur des stacks. Starkso qui fait quelques dégâts à Keiko malgré tout. On a Yampi au contact qui va tomber, mais ça reste un round assez convaincant pour les Team Liquid. On peut même planter pour Enzo. On perd qu'une arme. Alors, les Liquid en défense n'ont convaincu personne et surtout pas eux-mêmes. Les Liquid en attaque, ça pourrait être une toute autre équipe. Tout comme Koi d'ailleurs qui change de côté. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet sur une manche qu'on a le même niveau sur l'autre. C'est pas le même style de jeu, il faut attaquer, poser, défendre, désamorcer, et ainsi de suite. Liquid, un bonus. Alors, ils vont chercher les Bulldogs sur le contre-écho, ils les conservent pour la plupart ici. Il n'y a pas d'ultimate à porter, faut être réaliste, on va devoir faire ça. En face, il y a des fantômes qui nous attendent. Ça reste un bonus, comme tu l'as dit, donc on veut faire perdre des armes. Après, ça reste quand même un round qui peut être remporté. Les Team Liquid peuvent aller chercher un tempo ici. Est-ce qu'ils vont tenter un contrôle de carte assez lent comme les Koi? Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. On va quand même aller chercher ce Behaven. Et ça va partir finalement très vite. Hein. Keiko qui va tomber. Et derrière, on va se placer au niveau de ce B. Nats et Yampi qui cross. Ouais, ils sont quasiment repris déjà. Avant même l'amorçage, on va les chercher, on va les débusquer. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut pas se retourner contre Koi, négligent ici, et qui perd ses duels, et qui se jette dans la gueule du loup? Mais oui, mais ça c'est une vengeance! Ça reste une offrande de plus, la reprise de Shadow. Il y aura plus stun pour les copains ici, Shadow, non? Effectivement, il a tout son stuff, on va pouvoir planter pour Enzo. C'est un 2v4 à aller chercher, Mystic, qui 1v3 maintenant, pardon. Et derrière, ça risque d'être très compliqué pour ce joueur. Et il va partir avec sa fantôme. Et on l'a dit, un bonus qui était gagnable pour les Team Liquid, et ils le font bien. Ils le font bien parce qu'ils prennent le middle et le B en même temps avec une infiltration de Viper en B. C'est pas tous les jours qu'on voit ça sur Split d'ailleurs. C'est souvent en A. C'est vrai que ce wall, oui. Ce wall, on le voit pas souvent. Il existe, on le connaît, mais il est rare et utilisé ainsi, c'est d'autant plus rare. C'est tout à l'honneur de Liquid. Le rôle se joue finalement sur cette reprise du B. Les Koi, je pense, ont pas une mauvaise idée, mais quelque part une mauvaise exécution. Il y a une naïveté QBEP. Et puis, est-ce que Bridge peut pas mettre un stun de loin, une flash de loin? On met peu de stuff finalement pour aller chercher des joueurs au contact qui sont en bonus. Donc, une idée mal exécutée et les Liquid qui réapparaissent au score 7-8 en contre-petit achat. Attention, ça va être un petit peu épiécé. Pourquoi? Il y aura un petit peu de jus. Il y a une arme conservée et quelques shérifs. Mais les Liquid ont là les ingrédients d'une remontée et d'une égalisation. Et oui, et là en plus on s'envole monétairement. On a des ults qui vont arriver bientôt. Alors des deux côtés, hein, des équipes. Qu'est-ce qu'on va faire là? On est quand même en anti-écho pour les Team Liquid. On a l'air de vouloir contrôler le A main et le B main également. On va rester en default pour les Koi. Oh, Starkso qui va essayer une agression avec le stun de Shadow, hein, potentiellement. Et le Boom Boss qui donne le signal de go. Ah, c'est le Bird adverse qui va donner le top départ. Qui a le dernier mot? C'est incertain. Starkso, il force parce qu'on est en petit achat. Starkso, il a raison, mais il faut lâcher l'affaire. Le chien le repousse, vous fouf, rentrez à la niche. Et derrière un Nats qui va se faire cise malgré tout. Et il va pouvoir casser la reveal. Attention à ne pas perdre cette Vandale. Mais derrière, on va... essayer d'aller chercher le A, Mystic qui est déjà au contact de la vente. Yampi pour faire un kill. Yampi le double kill ici, peut-être le triplé. Shadow tout seul sur son site, sur A. Il va tomber également des mains de Nats. Et derrière, on a un Grubigno seul qui arrive au niveau de ce CT. Ah, ça, c'est caractéristique des grands joueurs. Il y a une faille dans la défense, un timing. Yampi tombe dedans. C'est le magicien, il le sait. Ne me demandez pas comment. C'est lui l'expert. C'est un contre-écho et tout, mais... en fait, c'est ce move-là qui permet de le gagner facilement, de prendre à contre-temps le joueur auteur, de choper la rota par surprise et d'enchaîner en doublon, en doublé d'ouverture, en tout cas égalisation, et ça ressemble à une pause tactique. Après, bon voilà, on était quand même clairement sous-armé pour les Koi.
mais on reste en défense. Non, c'est une technique qu'elle pose. Alors, en général, après, c'est quand même enchaîné par ça pourrait. Un tactical timeout, effectivement. En tout cas, voilà, on peut racheter pour les Koi. C'est vrai que là, on enchaîne les rounds, mais ça me fait vraiment penser à ce qu'on voyait pendant les kick-offs. On voyait à chaque fois des équipes qui étaient menées, après qui revenaient et on renvoyait la balle. Donc, ouais, c'est ton expertise. Tennis. Donc, on revient sur ton terrain de jeu favori. On revient sur le terrain de jeu entre Team Liquid et Koi, du moins. Exactement. Sachant que Liquid a gagné deux services, les deux pistoles. Donc ils ont quand même pris 4 rounds assez facilement. Eh ouais. Pour le moment. Quand tu mets 2 aces sur un échange au tennis, c'est des aces, hein, un service qui gagne directement. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. C'est quand même pas mal. Non enfin, je demande à une experte. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça te donne après 2 balles à aller chercher. Un petit peu comme, voilà, comme les Team Liquid. Hein, Donc bon. Ça, franchement, on va être honnête, ça les a maintenus à flot, notamment au score, mais pour la remontée. Il faut quand même avoir en tête que les pistoles sont pas si faciles à maîtriser, même si là ils sont très convaincants pour le camp Liquid. Et enfin, ça leur permet de survivre sur une arrivée en manche d'attaque. Relancer au score, égaliser finalement assez facilement. La moitié des points de Liquid, c'est ça. C'est des pistoles et du contre-écho. Pour aller chercher un 8-8 et faire douter les Koi. Et arriver maintenant dans une dynamique de jeu qu'ils ont l'air de mieux maîtriser. Les Liquid semblent, du peu qu'on a vu, 4 rounds, mieux s'exprimer ici. Quand en défense, ils étaient nettement battus. On se souvient quand même. 5v4 où ils sont complètement dominés, ça faisait mal. Après là ils peuvent quand même gérer le tempo eux-mêmes, ils en faisaient les frais sur leur side défense et là eh bien ils font un petit peu le même jeu hein, que les Koi où c'est eux qui mènent la danse et pour l'instant on arrive à revenir au score. Est-ce qu'on va pouvoir conserver ce tempo? Est-ce qu'on va changer de tempo d'ailleurs parce que Yampi a son ult, on va pouvoir récupérer de précieuses ressources. Oui. Ouais, Enzo qui est en moins 2 également. Il n'y a pas de sniper pour la défense, ni pour l'attaque, mais ça, on pouvait s'y attendre. La défense qui reste armée essentiellement de Vandal, avec, non, une dominante, pardon, fantôme, effectivement. Sur Speed, ça correspond. Et puis, ça dépend des humeurs et des joueurs. Il n'y a pas d'ultimate non plus pour Koi. Et on en est relativement loin. Il faut 3 points d'ult pour arriver à des ultimates clés. Et ça, ça va compter. Évidemment, si on s'installe sur un espace, un site, Yampi peut mettre l'ultimate en post-plant, on n'aurait pas trop de réponses évidentes pour les Koi. Donc là, il faudrait quand même arriver à taper le jeu un peu plus haut pour pas que les Team Liquid s'installent aisément. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que les Koi, en fait, comme ils n'ont pas de sentinelle aussi, on est obligé d'être proactif sur la carte. On ne peut pas juste attendre 2 en A, 2 en B et un mid, il faut tenter des choses. Sachant qu'on a deux initiateurs. Alors on a eu l'information, hein, on a un petit problème au niveau des coachs, voilà, mais ça va bientôt revenir. Ouais, les coachs de Koi qui ont un petit problème technique, c'est tout à fait négligeable, on patiente gentiment. Alors on me dit qu'il n'y a pas de sentinelle chez Koi, et c'est vrai stricto sensu. Après, on considère la Viper comme une sentinelle, mais tu fais bien de le dire comme ça, parce que c'est pas une sentinelle qui prend l'information. C'est pas une sentinelle qui contrôle l'espace sans s'y tenir. Il faut bien comprendre ici qu'une Sage, une Viper, la première étant une sentinelle officiellement, la deuxième pas vraiment, elles contrôlent l'espace, mais elles ont besoin quand même de surveiller elles-mêmes cet espace qu'elles contrôlent pour être bien sûr qu'il n'y a pas d'infiltration, contrairement à une Killjoy, à un Cypher, ou évidemment à une autre sentinelle dont on va taire le nom tant elle n'est pas jouée. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voire même encore à un autre sentinelle que lui, voilà, pour être français, on ne l'aime pas du tout. Ah, ok. En tout cas, ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, les Koi, on attend une réponse de leur part. Parce qu'on peut proposer un jeu assez intéressant. On a quand même Shadow et Starxo qui peut prendre l'information. Derrière, on a le stun de Shadow pour aller chercher un petit peu plus loin sur les extrémités. On sait que Camo, il est capable d'aller chercher les entries. Tout à fait. Alors, il y a un truc à comprendre avec les Breach, c'est que s'ils mettent leur stun, on peut, nous, en attaque, avancer. Toute l'idée aussi, ça peut être d'appâter le stun de Breach qui va jouer en réaction, anti-rush, ou qui va reprendre une zone neutre pour ses coéquipiers. Dès qu'on est repéré, boum, il nous met un stun dans les pieds et il reprend avec ses coéquipiers. Donc, quand il n'y a pas de stun de Shadow, normalement, ça peut être l'idée pour Liquid de dérouler un petit peu plus vite. Faut pas se suicider, mais c'est quand même un timing, c'est une fenêtre de tir, le cooldown de Breach. Pause tactique, barbare, coach. Decoy prend la parole. Pas très étonnant. Le bon André. Pas très étonnant après ces derniers rounds qu'on a pu voir. Mmh. On l'a dit hein, pendant la
la pause technique. Il faut aller chercher des solutions. Dans sa tête, pendant la pause technique. Parce qu'on ne peut pas communiquer avec ses coéquipiers. Oui, là il ne pouvait pas. Mais là, pour l'instant, il a une minute. Là, il a eu un gros brainstorming avec lui-même. Clairement. Il a bien préparé son speech. Fin de time-out. On va pouvoir voir la suite de cette carte. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un round de plus pour les Koi ou est-ce qu'on va s'envoler au score du côté des Team Liquid, sachant que ce round va compter double. Pour les Koi, on s'envole monétairement. Pour les Team Liquid, on a 7007 pour Mystique quand même. Eh oui, on vise le Scrabble, le compte double. Ah, la pause tactique, on a eu des difficultés à l'envoyer pour Barbare. C'est un vieil homme, hein. Évidemment, dès que ça devient technique, il faut appuyer sur des boutons. Il a du mal, André, que je salue et que j'aime. Et bien sûr, dès que je l'aurai en face de moi, je baisse les yeux et je rase les murs. Et vu que je suis sur place, ça ne m'a pas manqué. Oh là là là. En tout cas, on repart. On aura l'opérateur dans les mains de Keiko pour aller potentiellement prendre une élimination au niveau de ce mid. Le mid qui n'est pas... pour l'instant, hein, qui n'est pas contesté. On a un tandem qui se joue au niveau de ce Behaven. On va reprendre peut-être avec le stun de Shadow. Shadow qui va se replacer au niveau de la vent. Là, c'est ce que je te disais, il faut les couillonner. Il faut bait le stun dans le vide. C'est l'idée pour Liquid, de prendre un petit peu de précaution là-dessus. Ah, et ben voilà, il n'y a pas grand-chose. Bonne opération, et maintenant on pourrait dérouler un jeu plus agressif. Alors, c'est pas la fête à la saucisse, mais on pourrait jouer. En tout cas, il n'y a plus de stun pour progresser, pour nous empêcher de progresser. Pour l'instant, on continue de bait. Voilà, on envoie le boombot de Keiko. On respecte toujours le jet des Koi, mais on va se regrouper au niveau de ce garage. Alors, est-ce qu'on voilà, on a pu donner l'opérateur dans les mains d'Enzo parce que Keiko est bien le dueliste et on veut le propulser au niveau de ce site. Mais ce site B est renforcé par 3 joueurs. Paranoïa, Grenade Gigogne contre Paranoïa, Grubino maintenant qui est en place. Je pense que Grubino il peut gagner le duel contre Keiko. Keiko qui décale et voilà Grubino qui s'impose. Et le premier temps est tenu, les Liquid vont manquer d'oxygène, ils vont manquer d'explosivité, ils vont manquer de temps, il reste 12 secondes. Liquid, il faut plus que ça, et encore, car on doit amorcer, il faut se battre jusqu'au bout. Bec et ongle, et Yampi comme Enzo sont battus, il reste Nats qui a ici le vol neural et qui aperçoit sa mini-carte adversaire. Starkso est repéré, la cam par-dessus, elle n'est pas encore détruite, il repère l'adversaire et l'élimine. Nats, l'artiste qui tient jusqu'au bout. Le 1v2 impérial qui nous sort. Incroyable. Ça se joue à pas grand chose et on va pas se mentir, le round des Team Liquid, il sentait pas bon. Il sentait pas bon du tout. Grubino qui tient bon au niveau de ce backside, ça fait la différence. Et heureusement qu'après on a des individualités des Team Liquid. Finition avec le 1v2 de Nats. Faut bien comprendre que Nats et Yampi, c'est des joueurs qui font la diff, et ça c'est un round où on le voit. Parce que Yampi qui cherche le duel et s'impose, plus Nats qui va chercher ce clutch in extremis, c'est pas à la portée de tous les joueurs, on est vraiment sur le petit plus, le côté artistique. C'est pas des techniciens eux, c'est des Picasso. Et on en voit les joueurs de Koi en semi-bye, avec malgré tout l'ult de Shadow. On va pouvoir prendre cette information au niveau du garage. Est-ce qu'on va exploser sur ce site ou non? Pour l'instant, le spike se dirige dans le mid. On a déposé les deux lurkers sur le dogo. Maintenant, on va prendre le middle pour préparer apparemment un speed B. Speed B qui peut être dangereux hein, parce qu'on va reprendre l'information pour les Koi ici. Est-ce qu'on va pouvoir casser ce trap? Le trap a bien été placé par Nats. On a un tandem qui a la réception. Nats qui se fait complètement stun. Oui, mais il a les bons réflexes, si on met les mots dans le bon ordre. Il a bon les réflexes pour Nats, mais il est battu, là, il n'a pas assez de précision malgré le temps de réaction qui est très bon. Keiko qui prend l'espace, il reste un joueur en musique à Shadows qui se fait oublier. Shadows, évidemment, le kill sur l'adversaire est là avec l'onde sismique, plus l'avantage numérique. Est-ce que les Liquid ont vraiment une chance inespérée? Est-ce que produit le français 1v2? On va Paranoïa et TP. On sait qu'il y a un joueur au contact, on le repère. Est-ce qu'on peut flic ici sur ce joueur au niveau de l'Even? Il reste 14 secondes, on a le TP du côté de Mystique. On va prendre le spike. On fake la defuse, on fake l'amorçage.
6 secondes, on est obligé de tenir. Et on le sait du côté de Starkso. Et oui, on peut éliminer ce joueur et égaliser pour les Koi. Et c'est une écho. C'est une belle réponse de Koi d'aller chercher, comme tu le signalais, le B-Main. Le Speed B se préparait. On prend le B-Main. On prend le middle. Mais en fait, on est contrarié car si on a un mot à dire sur les prises de zone neutre, il y a aussi une réponse de l'adversaire. Les Koi ne se laissent pas faire. Alors, franchement, Onat réagit bien avec ses cages. Mais dans le chaos, les Koi tiennent et obtiennent ce point. Il était temps. C'est leur premier point en défense. Et c'est vrai qu'on a aussi des petits loupés individuels mystiques qui auraient pu faire un petit peu plus au niveau de ce garage. En tout cas, il y a 9-9. On a toujours de l'avance. On utilise l'ult de Viper pour prendre le mid un petit peu à l'image de Yampi. C'est très défaut sur cette carte. Mais il ne fera pas la même erreur. Hein. Pour l'instant, il restera en vie et gardera le contrôle de ce mid. On va aller chercher la roquette pour Camo. Ouais, c'est gratos. Hein. Du coup, ils lâchent l'affaire. Alors, ils savent que c'était la race. Ils envoient quand même la finition avec les choux-fleurs. Ils prennent un risque ici, ils prennent un gros risque. Oh, ils perdent que des points de vie, ils ne perdent pas d'hommes. Camo qui bombarde vaillamment l'adversaire Shadow qui ici est prêt et opère une rotation et un anti-rush. Et on prend énormément de dégâts du côté d'Enzo. Nats qui avait pris des dégâts également va pouvoir se faire heal par son IGL. On continue cette agression dans la rampe et on va partir très vite avec le dog ici envoyé par Enzo. On repère le joueur de Raze, on va se propulser. Pour l'instant on attend, on veut une élimination. Ouais, on prend la hauteur A, on remue le couteau dans la plaie. Le problème, c'est qu'il reste 30 secondes. Mais les finitions A, elles sont si fortes. Elles sont si fortes. La redirection B dans l'ulti de Viper, c'est non. Ok, ils sont repérés en A. C'est une évidence qu'ils vont finir ici, mais ils pourraient tout à fait passer en force. Et la réponse de Camo est très intelligente. Il prend l'espace, intelligent, mais beaucoup de patience jusqu'à la fin du round. Nats ne bouge pas. Et là, Starkso se retrouve tout seul au niveau de ce CT. Le CT qui avait été bien gardé par Keiko et derrière c'est un 3v5. Est-ce qu'on peut tenir du côté de Shadow au niveau de la smoke? Il se fera avoir par cet IGL des Team Liquid et derrière on va pouvoir planter à une seconde de la fin. Ouais, c'est chapeau bas pour Liquid, il y a énormément de sang-froid sur ce round et de maîtrise. Alors l'une des règles qu'on pourrait donner de speed, c'est que quand t'as la hauteur A et que t'es repéré, tu peux quand même finir en A même si t'es archi repéré. Le truc c'est qu'il reste peu de temps et il pousse le bouchon si loin que dans les 20 dernières secondes, ils sont encore immobiles à attendre et à anticiper des compensations de Koi qui se disent « Attends, on va pas juste tenir la reprise, la finition A, on va aller les chercher au moment où ils s'y attendent le moins. » Et en fait, non. Liquid sont tellement patients et tellement lucides que ça leur donne des free kills et ils finissent d'une traite ensuite, aisément en avantage numérique. C'est un dixième point vraiment mérité stratégiquement et sur la psychologie de jeu aussi. Et ça me fait un peu penser à l'image des Koi hein, qui jouaient très lentement aussi sur oui, la carte. Il leur donne en une fait, leçon. Oui, c'est ça, c'est vraiment la leçon. Et là, on repart. On repart devant pour les Team Liquid. Ce qui se passe dans la bulle de Viper reste dans la bulle de Viper. En plus de ça, Camo a utilisé son ult. C'est une roquette qu'on ne verra pas avant un petit moment. En face, Keiko peut aller chercher le sien. On aura également le Viper Spit hein, de Yampi. C'est une réinitialisation du cycle monétaire, alors pas sur ce round, mais sur le round précédent, puisque quand on gagne un round, on réinitialise son cycle. Donc là, Koi, bah, ils reviennent en armée, mais difficilement. Ouais, on est obligé de force. C'est un round qui compte double, peut-être aller chercher le 11-9 et derrière le 12-9 pour les Team Liquid. Contrôle de carte hein, de Nats sur ce A, c'est assez default de la part d'un Cypher sur Split chez DOS. Accompagné de ses Molly et de la smoke, va garder le mid. Pour l'instant, ouais. Voilà, contrôle assez lent de la part des Team Liquid. Tout à fait. Starkso moins 1, on garde ça en tête pour plus tard. Notamment un kill en A, pourra mettre l'ulti dans la foulée s'il est encore en vie. Yampi, lui, pourrait s'installer en post-plant pour prendre l'espace. Comment on fait? Peut-être Keiko. Peut-être Keiko qui pourrait prendre son bouclier final sur cette orbe devant Starkso, mais lui-même s'en méfie. Est-ce qu'on peut empêcher Keiko d'effectuer ce mouvement si téléphoné? Sachant que là, on s'était vraiment regroupé du côté des Koi dans le mid. Et finalement, on ne va pas récupérer ce bouquet final. Keiko qui n'aura pas besoin de cette orbe et qui prendra cette élimination. Nats qui va casquer chez DOS. Au niveau de ce CT, on va envoyer l'ult de Yampi pour prendre le CT. Et la Ritech s'annonce compliquée pour les Koi, c'est un 4v4. Ouais, je vois que le feu là. C'est vraiment une grande idée de passer par ici. Est-ce qu'on n'aurait pas le problème pour plus tard?
Et oh Mystique hein, qui s'avance un PV avec son shorty. Régénération. C'est long, c'est long, c'est long pour Koï. On tente des travers, mais on est obligé de repartir et on va se propulser à l'aide des satchels. On va envoyer l'ult de Keiko pour prendre l'avis de son homologue et derrière Mystique également. Et derrière, eh bien voilà, on est déjà en 2v4. Yampi peut faire son élimination. Shadows tout seul au contact pour en prendre un. Mais ce sera tout. 11e round pour les Team Liquid. Koï qui avait forcé. Et derrière, eh bien là, on n'a plus de ressources. Hein. Ah, ils sont sur les rotules financièrement. Et puis même, ils s'essoufflent stratégiquement, individuellement. Stratégiquement parce qu'ils peuvent avoir une lecture de jeu sur la redirection A, mais elle est lente à en tirer parti. On est middle en nombre, on bouge trop lentement sur le A. Individuellement parce qu'on a un fixe A, on a une fade solo A qui joue à la mort 1v5 et qui est dépassée. À la rigueur, s'il joue à 1 pour 1, admettons. Mais là, vraiment, il est complètement largué, le bon Starkso. Ce qui coûte évidemment cher. Heureusement pour les Koï, Nats peut-être en fait trop. Mais voilà, avec l'ulti Viper par-dessus, ils sont coincés. Et comme tu le dis maintenant, ils sont coincés financièrement. Ils demandent à Barbar de l'aide. Mais il n'y a plus vraiment de ressources, si ce n'est l'ulti Starkso, pour répondre à des liquides bien en place désormais. Et puis même le 1 pour 1, Starkso, même s'il le fait, ça aurait été quand même un 4v4. Ça reste à l'avantage de l'attaque. Avec un Keiko qui a son ult, Yampi qui pouvait prendre également pas mal d'espace. Donc ils ont quand même bien remonté cette carte, les Team Liquid. Ils comprennent comment attaquer sur Split. Ah, le choix Starkso, c'est la discussion. Hein. Est-ce que s'il fait ça, il doit assumer au moins de prendre deux. Voilà. Du temps, un kill, peut-être les deux si c'est grandiose de sa part. On le voit complètement dépassé. Alors s'il fait un kill, ça aurait été 4v3 parce que Nats s'est donné ensuite, mais on va pas refaire l'histoire non plus. Pause tactique. Maintenant elle s'achève et maintenant on joue Koï force l'achat. Encore, à nouveau. Donc vraiment, on veut pas aller donner le 12-9 au Team Liquid, on veut aller jouer jusqu'au bout. On a malgré tout une Vandale, une Fantôme. Nats ouais. Qui va jouer très agressif dans le A-Main et on va déjà avoir un Starkso. Laissé à 21 HP sur ce site. Il a pris une folie. Il a pris à travers en voulant détruire le Prowler. La prise de zone donne une quasi-ouverture. Il a frôlé la mort alors qu'il a l'ultimate de son équipe. Ça aurait été vraiment un crève-cœur. Sachant qu'on a force. Donc voilà, on va repartir avec une Spectre. On a Yampi déjà au contact. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on va le lire, ce joueur au contact ici? Et non, c'est Camo qui s'impose et qui peut se replacer avec la satchel. Et c'est bien le A qui va être investi par les joueurs de Team Liquid. Ouais, c'est donné le A. Starkso doit rester en vie. Attention à ne pas jouer au fou avec son ultimate qui est déterminante pour la reprise. Une reprise peut-être directement alors qu'on est que 4. Ça pourrait suffire. Paranoïa d'anti-reprise. La Recon par-dessus. Des coéquipiers qui n'avaient pas pris appui sur le spawn. Donc moi, je veux bien cet ultimate. Mais on en fait quoi? Bah, pas grand-chose. On n'arrive pas à capitaliser dessus. Et derrière, eh bien voilà, on peut retrouver Louis du côté des Team Liquid. On est quand même en avantage au niveau des armes malgré le 4v5. Enzo qui se fait stuff. Mais il est bien épaulé de la part de Mystique qui fait son double kill. Derrière, Enzo peut reprendre la pose elbow, mais il va tomber. Keiko sur site pour l'exploit individuel qui n'arrivera pas. Et derrière Nats en 1v3, on sait qu'il est capable de clutch. Starkso est très low HP et on va bait ce joueur. On n'arrive pas à faire la half pour Shadow, on n'arrive pas à faire la half. On l'a fait, mais c'est un 1v1 maintenant. Il est trop fort. Il va le faire Nats. Nats est beaucoup trop fort. Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps pour Shadow. Waouh! Incroyable. Quel rune de Nats, le russe qui a détruit les espoirs de Koï. L'artiste est là, toujours. Une toile de maître dans le clutch. La finition, le filet de sécurité. Le rattrapage. Pour un round alors bien engagé et maîtrisé par Liquid, il y a eu des petits ratés indiv. C'est lui qui permet de prendre ce 12e point. Oh, et vraiment, il est tellement lucide. Il sait qu'il faut empêcher Shadow d'aller chercher la half, il sait qu'il y a quelqu'un au contact de Leven, il tente des travers et puis il sait que Starkso... Non, il savait même pas que Starkso était low. Non, c'était pas forcément très clair. Mais malgré tout... Mais il a su jouer avec corner et il a su jouer avec le temps. Ouais, ça c'est vraiment le difference maker pour Liquid. Je pense qu'ils ont un joli line-up, mais ils ne trouvent pas encore collectivement une fiabilité, une domination, un mouvement en tout cas collectif convaincant, ça s'est vu sur la première manche. Donc comme pour l'ouverture avec les kick-off, on a un match serré contre Koï, en tout cas pour la carte, la première, mais ils sont sur le point de la remporter. Peut-être dernier round de cette carte, on va prendre le mid hein, au contact.
du côté des Koi. Est-ce que ça va être lu par Nats? Nats qui pourra en prendre un. Il se fera revenge par Shedos. Derrière, on va pouvoir planter du côté d'Enzo. On n'a pas d'ulte conséquent à notifier, mais on prend pas mal d'espace. C'est anticipé, je pense. Un petit peu de temps. Ouais, voilà, c'est repéré, c'est confirmé. Lui, on va le repousser et le charger. Le stun était bon, la vengeance n'est pas là. Alors, ils sont battus individuellement. Yampi est trop fort. On a évidemment un relais entre Nats et Yampi. D'un point de vue défensif, là, c'est très très clair. Et c'est conclu 13-9, victoire de Liquid sur la carte Koi. Incroyable. Les Team Liquid qui, après un side de défense compliqué sur cette carte de split, mènent complètement leur attaque. Et Koi, finalement, n'arrive à remporter qu'une seule défense. Très bonne résilience de la part de ces mini-navis, hein, comme on en parlait pendant les kick-offs. Et ça reste quand même un match très serré. Ouais, c'est un match très serré. Il faut l'analyser, il faut en parler. On marque une petite pause et on revient avec Ita et toi-même pour justement l'évoquer. I know a place that will break you into a thousand pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. I, Caballo Grande. I, Dolor de Nieve. But, in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through Attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. Red Bull donne des ailes. Et on vient de voir cette première carte de split entre les Koi et les Team Liquid. Une carte contestée, mais malgré tout, on voit des Team Liquid d'abord un petit peu en recul sur leur side défense. PM et derrière ils arrivent à dérouler complètement en attaque. Ils ont été impressionnants et finalement ils changent quand même bien le rythme de cette carte de split. Ouais, il y a une manche sur deux et je pense qu'il y a un ingrédient sur deux dans le succès des Liquid. L'ingrédient qu'on a là, c'est le talent indiv des artistes Yampi et Nats. Ils font gagner des rounds parce que c'est vraiment des joueurs de très haut niveau. Ils vont faire des différences indiv très sensibles qu'on voit rarement à un tel niveau de jeu professionnel dans le T1. Mais pour moi, il manque le collectif Liquid comme au kick-off. Il manque cette formule qui ferait que plutôt que de gagner 13-9, on gagnerait 13-5, 13-6, 13-3. On n'a pas encore un collectif qui domine. La première manche, ça se voit. C'est vrai qu'il y a eu deux salles d'ambiance. Parce que pourquoi y mettre 7 rounds consécutifs, c'est quand même pas mal. Et j'ai trouvé qu'il y avait de l'idée derrière le double initiateur. Honnêtement, avec des grosses pressions mises dès le début des rounds, avec la Fade et la Viper ensemble, tu l'as dit, des Liquid un petit peu trop individualistes peut-être. Hein. Je parle notamment peut-être du côté de Keiko, avec quelques petits échecs sur les prises des premiers contacts, notamment, ouais, notamment au niveau du B-Main. Mais voilà, il y a cet homme et il y a ce clutch. Avec à 6 balles où il réussit à enfin c'est quand même ouais, la légende du club. Là, il faut le dire, c'est la légende du club, c'est le faire. Très très fort. Et effectivement, Yampi aussi très solide, quand même un gros réveil, notamment sur le pistol que j'ai trouvé très bon changement de side, excellent pistol de la part de Team Liquid, où on a senti qu'il y avait un petit arrêt collectif. Il n'y avait pas ce truc de on était un peu en autopilote au début, on n'a pas trop réfléchi à comment vraiment jouer la map, et après il y a eu vraiment ce coup de fouet qui a été fêté. On imagine Enzo derrière tout ça, un artisan, oui, qui a dû peut-être pousser un peu. Donc bien joué à Liquid. J'aurais préféré un autre scénario un peu plus clair, comme vous l'avez dit, un 13-6, ça me serait allé, mais là, cette fin de map, elle est quand même assez, assez royale. Alors, est-ce qu'on verrait peut-être, on le rappelle, c'était la carte des Koi. Maintenant, on va voir la deuxième, qui, on peut me le rappeler, c'était quoi? C'était Sunset potentiellement. J'avoue, je ne me suis même pas projeté encore. Xbox, c'est en Decider, mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait voir des Koi revenir sur la deuxième carte? Ouais, ils sont dans le coup. Ouais. Moi, en fait, c'est vraiment Liquid. C'est-à-dire qu'on les met. Enfin, moi, je les mets haut. En fait, je retrouve pas la patte Apex
avec un collectif qui fonctionne super bien. Ce qui aurait pu manquer à Apex à l'époque, c'était d'avoir les artistes qui font la diff de très 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 haut niveau individuellement. Et là, on a ça, mais on n'a pas encore les Liquid qui dominent macro, qui sont en avance, ouais, qui ont des belles retech et tout. Ils rament comme au kick-off. C'est qu'une carte, il faut voir s'ils mettent une longueur à Koi. Sinon, moi je suis d'accord, hein, Koi, ils peuvent revenir. Comme le kick-off, le match est relativement équilibré. Bah, je pense vraiment que le problème de Koi, c'est que sur le set défensif, il y a eu un exploitation parce que pas de sentinelle et du coup, les fixes BP, c'était pas clair comment jouer les rounds. Soit on joue Fleury Tech, soit on joue agressif. Ils n'ont pas su trouver juste milieu et derrière, Liquid en a vraiment abusé et ont vraiment très bien réagi. En tout cas, voilà, on va bientôt voir cette deuxième carte. C'est bien Ascent. On a eu la confirmation, le choix de carte des Team Liquid. On se retrouve d'ici quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite.